Yo les gens, ici Rafi57250, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bus Simulator sur PlayStation 4. Donc c'est parti, on va s'attaquer au trajet numéro 29. Donc j'ai créé un nouveau trajet via cette mission qu'il faut faire un temps de moins 32 minutes. Du coup mon trajet fait 29,44. On va se faire ce trajet en boucle et avoir une note de plus de 4 étoiles sur les deux itinéraires. Donc là c'est écrit trajet 1 fait. Donc après ça me dit pas pour le si c'est fait l'autre, mais... Alors j'arrive pas à aller aux missions, je sais pas ce qui se passe. Alors je suppose que c'est moi qui n'y arrive pas, mais... J'arrive plus à aller aux missions. Attendez. Ah merde, j'arrive plus à aller aux missions. Je sais plus comment on fait pour retourner aux missions. Bon, je sais pas, ça veut pas y aller. Ah mais il veut plus, bon c'est pas grave, c'est pas grave. J'arrive pas à aller retourner à l'autre côté quoi. À l'autre côté quoi, c'est pas grave. Donc on va faire ça tout de suite, en espérant que ça me valide les deux choses. Donc trajet en mode boucle et avoir une note de 4 étoiles. Donc c'est parti, petit trajet, je vais vous montrer vite fait. Si vous voulez faire également comme moi le trajet... Ah merde, le truc il veut pas se barrer en plus. Hein. Du coup je peux même pas vous montrer ça bug. Ah ça y est. Ah bah ça y est, ça s'est enlevé. Ça y est, enfin. Donc là c'est quoi? Trajet 1 fait, ok. Non, c'est cela que je voulais faire. Trajet 1 fait, d'accord, ok. Attends. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Bon, ok, les deux, c'est fait, quoi. Les deux trucs, ils sont faits. Du coup, je voulais vous montrer l'arrêt. Hop. Pourquoi il veut pas me l'enlever, mon truc? Ah, bah, ça y est. Ça y est, il veut bien. Trajet, ok. Du coup, on part de Gare Centrale. Gare Centrale. Après, on passe par la... Gare Routière Centrale. Après, on passe Gare Centrale, directement. Ensuite, le prochain arrêt, c'est Grange de Wolfspock. Ici. Voilà. Ensuite, on passe par Chapelle de Saint-Nec. Voilà. Ensuite, on arrive ici. On arrive à cet arrêt-là. Voilà. Et ensuite, on va sous c'est à peu près le même arrêt que l'autre, mais c'est différent, quoi. Il y a quand même des arrêts en moins, il n'y a pas la chapelle, tout ça, quoi. C'est plus direct, on va dire. Donc, c'est parti, on va se faire ce trajet ensemble. Non, on va faire oui. On va faire... Du coup, on va mettre jour. Démarrage rapide, oui. Activer boucle, oui. Désactiver, oui, simplifier. Par contre, je vais prendre quoi comme bus Saratogé, c'est trop grand. Non, trop grand. C'est trop grand sur la porte arrêt là. Non. On va prendre celui-là, tiens. Le Lyon City A37. On va prendre celui-là, tiens. On va faire celui-là. Donc voilà, c'est parti, on y va. On commence le trajet. Donc il me dit d'aller à la plateforme 2, ok, on y va. Donc je vais vraiment faire attention dans cette vidéo-là et essayer de pas faire de conneries. Bon, je pense que c'est vraiment besoin de mettre le clignotant ici. Hein. Par contre, le bus-là, il est plus large, je trouve. Ça a même pas compté que j'ai signalé mon arrêt de bus. Là, on va essayer de faire attention, c'est au fraudeur là cette fois-ci. On va essayer de faire attention au fraudeur. S'il y a des fraudeurs ou pas. Ah déjà, il y a déjà un fraudeur. On dirait que la porte est bloquée du coup. Non, pas de fraudeur. Non, t'as pas fraudé. C'est peut-être lui qui a bloqué la porte. Non. Non, c'est peut-être lui alors. Non, mais bah, où le fraudeur alors? Il dit qu'il y a un fraudeur. C'est bizarre ça. Bon, des fois ça bug, hein, des fois. Ils disent qu'il y a un fraudeur, mais il n'y a pas de fraudeur. Allez, on y va. Peut-être mettre un peu de musique, peut-être la musique elle est plus là du coup, attendez. Sur celui-là, il est à gauche. Ouais, c'est parti. En espérant que ça valide ma mission, j'espère. Comme ça, je vais passer aux prochaines étapes. Ce serait bien, quoi. Je suis à combien pour l'instant pour avoir 10 points au niveau étoiles? Je suis à combien du coup là? Je suis à 4 étoiles. En fait, on part à 4 étoiles dès le début. Donc là, enfin, vraiment faire attention du coup au nid de poule, tout ça. À pas griller de feu rouge, etc.
Allez, dépêche-toi. Allez! Putain, il n'y a rien long. Feu rouge de merde. Je sais pas si j'aurais pu prendre un accordéon sur cette route. Peut-être que j'aurais pu prendre. Y a pas d'arrêt ici, hein, j'arrive quand même. Ah, le prochain arrêt, il est pas tout de suite, ah ouais. Au moins que je l'ai laissé passer le mec, parce qu'il m'a coupé la route comme à chaque fois. C'est vrai que les PNJ sont pas top, je trouve, au niveau intelligence artificielle. Les mecs sont plus en train de bourrer comme des cons, quoi. Tu vois le bruit de ce bus-là? Les freins, on les entend bien. On va essayer de passer direct là. On va foncer quand même pour pas perdre trop de temps, on va dire. Il va falloir tourner du coup. On va tourner à gauche, à droite, je veux dire. Non, pas tourner à droite, mais prendre le virage là, on va dire. Et en plus, je peux tourner à gauche après. On va être tout droit normalement, si je me trompe pas. C'est pas grille rouge, non? Non, non, c'est bon, ça m'a pas compté. Comme j'étais déjà passé avant qu'il passe au rouge. Donc, du coup, ça a pas compté. Bon, on a 4 étoiles encore, nickel. J'espère que ça valait de ma mission, j'espère. Ça me fera un peu chier que ça valait pas ma mission. C'est parti. On y va, les go. La go, les amis. Donc il y a un arrêt là, je crois, il me semble, si je me trompe pas. Oh, ça va pas compter mon clignotant cette fois-ci. Ah oui, non, c'est bon, ça l'a marqué. C'est bon, ça l'a marqué. Je pensais que ça n'avait pas compté. C'est pas de fraudeur. Du coup, on va attendre un petit peu que tout le monde aille monter. Ah, il monte pas lui, non. Non, non, il n'y a pas de fraudeur. J'ai quand même regardé quand même, mais on sait jamais. Non, il n'y a pas de fraudeur. Ah bah oui, il y avait un fraudeur là. Du coup, ça me l'a enlevé ou pas? Nickel, ça me l'a enlevé. Ouais, d'accord, bon, tant mieux, j'ai eu de la chance, du coup, on va dire. T'aurais pu me laisser passer, ça, l'enfoiré. Excusez-moi de la vulgarité, mais là, le mec. Pour l'instant, ça se passe très bien. On est toujours à 4 étoiles. Pas d'accrochement pour l'instant. C'est bien passé. Oh non! Oui, c'était lui! Alors, je pensais que c'était lui qui avait fraudé. On y va! J'ai même pas vu s'il y avait une bagnole qui arrivait en plus. Ah, que les bus ils sont bien faits dans le jeu, je trouve. Voilà, c'est passé avant qu'il s'aille rouge. Oh merde! Ah, je pense que ça n'a pas compté. Oh, ça va, ça me l'a pas compté, putain, la chance que j'ai. J'ai vraiment de la chance, ça me l'a pas compté. On va se mettre en vue comme ça pour tourner ici, pour pas avoir d'accident. Même si je sais que c'est possible en normal, mais bon. Ouais, d'accord. Du coup, ça compte, ok. Là, tel qu'il attend ici également pour tourner. Nickel. Là franchement, sans accro pour l'instant. Aucune infraction. À part le orange que j'ai grillé, mais ça compte pas quoi. Donc là, il faut faire vraiment gaffe ici parce que on peut se prendre une bagnole facilement. Faut vraiment pas trop faire le foufi. Le fifou, je veux dire.
y aller après. Ah, c'est bon, laisse passer. Merci. Et puis lui, il avance pas, lui. Ah, hein. Enfin une personne civilisée. Enfin. C'est bien ça, les personnes qui sont comme ça. Par contre, là, faut que j'aille tout droit, normalement. Je vais me rabattre, je vois que je peux me rabattre tout de suite. Ah non, je peux. Ça va, je peux rester ici, ça va. Ça gêne pas. C'est juste qu'il n'y a pas de double voie, faut pas qu'il y ait double voie. Je pense qu'il faut que je me rabatte. Parce que là, je pense que ça va être chaud sinon. Je crois qu'il y a une voie pour tourner après, c'est pour ça que je me mets ici quoi. Donc après, il y a une voie pour tourner. Ah, il va falloir que je tourne là tout de suite, non? Attendez. Je suis perdu là. Faut que je prenne le sens giratoire. Ah non, non, c'est bon, je suis bien placé là. Non, non, c'est bon, je suis bien placé. C'est moi qui dis des conneries. Là, faut que je me mette là, ouais, pour prendre le rond-point. J'ai bien fait de me mettre là, du coup, de me décaler, quoi. Là, on va... Par contre, faut que je fasse ça ou pas? C'est pas tout de suite, c'est à l'autre d'après. Bah attention là, sortant. Faut pas frotter. Si jamais, parce que des fois ça m'est déjà arrivé. Bon, j'ai pris un petit truc chouillé un peu rapide, mais bon. Là, il y a l'arrêt de bus là, il me semble, si je me trompe pas. Ouais, c'est bon, pour ça, j'ai pas loupé d'arrêt pour l'instant. On va juste signaler notre arrêt. Pour gagner plus de points. Ouais, il a même pas compté en plus. Ma gueule ou quoi? Il n'a même pas compté quoi. Attendez. Non, il n'y a pas de fraudeur, c'est bon. Ça ne m'a même pas compté ce coup, cette fois-ci. Trop nul. Là, ça l'a compté. Je sais pas pourquoi des fois ça compte, des fois ça compte pas. J'ai jamais compris moi. Bon, j'enlève mon clignotant parce que j'aurai des pénalités sinon. Ah oh, merde, je me suis pris une nid de poule. Bon, de toute façon, c'est pas ça qui va. Ah, ils disent pas. Oui, 4 étoiles encore, ça va. Je suis encore à 4 étoiles. C'est pas ça, là, moi qui pénalise à fond, quoi. Là, faut que je fasse gaffe, il y a un ralentisseur. Il y a même un nid de poule en plus. Normalement, c'est 20 km/h, normalement. 22, on peut le prendre à 22, c'est bien ça. À peu près, c'est à peu près le même trajet que précédemment, sauf qu'on n'a pas deux arrêts en moins, je crois. En plus, non, c'est 5 arrêts, je crois, ou 6. 5 ou 6 arrêts, je crois. Parce qu'on a quand même le truc de la chapelle. Ah non, ah non, on n'a pas le... Oui, on a quand même cet arrêt-là, mais on n'a pas l'autre. C'est pas le même arrêt, je crois, à mon avis. C'est pas le même arrêt, à mon avis. Pour l'instant, ça se passe très bien. Pas paraître trop vite. Là, je sais pas ce qui s'est pas ici, à chaque fois. Ici, il y a des trous, ils ont dû commencer à enlever la route, mais du coup, l'eau parfaite. C'est de passer là. On fait ce qu'il n'avait pas vu quoi. Ah. Là comme le bus il est. Ah c'est d'être cet arrêt là non? Non, c'est l'autre prochain. Prochain arrêt qu'il faut s'arrêter. Je fais quand même attention pour pas faire de conneries, on va dire. Next up, Stanley Charge. Bah, je pense qu'après je vais dormir un petit peu. Moi. Tut. Ça va ralentir tout de suite. Vraiment le faire au dernier moment, voir ce que ça fait.
Ah, il y a le téléphone qui sonne. Fait chier. Je vais avoir tout à l'heure, tant pis. Hein. De toute façon, ça aurait été urgent, j'aurais appelé sur mon fixe. Sur mon portable. C'est bon? Y'a pas de fraudeur? Y'a pas de fraudeur, on peut y aller. Let's go! Les sure. Nickel, on est à combien là pour voir? 4 étoiles, nickel. C'est bien ça. En espérant que ça compte mon truc, j'espère que ça va compter. Hein. Par contre, après, faut que j'aille plus loin parce que faut que je parte de. Faut que je retourne jusqu'à la gare centrale. Routière. C'est la gare routière et la gare centrale. Donc, faut que je retourne jusqu'à la gare routière. C'est plus loin, quoi. L'autre, il essaie de me doubler, il arrive même pas, quoi. Allez, il est à côté, le mec, il arrive même pas à me doubler, quoi. Pourtant, je suis qu'à 70 km/h, quoi. Le mec, il va prendre un accident tout à l'heure. Vas-y, rabats-toi, il y a un camion qui arrive en face. Hein. Oh. Mais le mec, il a pilé comme une folle. Prochain arrêt. Ah ouais, c'est loin, j'ai encore le temps d'attendre. Je peux rouler. Hein. Mais j'aimerais bien aussi un jeu de bus sur PlayStation, mais bus un peu comme Flexibus, un truc comme ça, ou même c'est pendant les vacances, tu sais, pas les vacances, mais vous allez en montagne, tout ça serait trop bien, quoi. Vraiment un bon jeu, quoi. Moi j'adore les trucs comme ça, les simulateurs. J'adore les simulateurs comme ça, moi, dans le. Ah oui, merde, il y a le métro. T'as là le train, je me le suis pas pris, mais là je me suis le fait, ce coup-là. Là, on entend les vagues là. Ah, ils sont là-bas, les vagues. Bon, c'est du pur normand, hein, ce que je dis, les vagues. Les vagues, c'est pas. Voilà quoi. Pour nous, c'est les vaches. Normalement, c'est les vagues. Nous, on a quelques expressions normandies qui sont pas. Comment on dit, pas piquées dans le ton. On pourra dire ça aussi. Quelques expressions qui sont. Bah, tiens, je voudrais bien savoir dans quelle région vous êtes pour ceux qui regardent mes vidéos. Pour ceux qui regarderont cette vidéo entièrement. Dans quelle région habitez-vous et ce que vous faites dans la vie quoi. Donc moi j'habite en Normandie et je suis préparateur de commandes sur le site internet Esprit Jeu. Donc ils ont un site, c'est un site internet. Je sais pas si c'est connu, oui quand même parce que ils expédient en Suisse et en Belgique. Donc ça va être quand même connu. Moi je prépare les commandes, c'est-à-dire que on a des feuilles quand on arrive le matin ou l'après-midi. On a des feuilles et puis on a tant de ruches à faire. Donc une ruche chez un client, on va dire. On a ruche 1, ruche 2, ruche 3, ruche 4, on va dire ruche 5, ruche 6 et une ruche égale un client. Donc vous avez tant de clients à mettre par ruche, quoi. Pas tant de produits à mettre par ruche, par. C'est-à-dire une commande, quoi. Et après, c'est les personnes qui sont derrière après mon poste à moi, donc qui s'occupent des envois des colis. Bah, eux, ils forment la ruche dans le même carton et puis après ils envoient les colis, quoi. Et ça part par soit Colissimo, soit Chronopost. Donc c'est soit Colissimo, soit Chronopost. Y a pas d'UPS, y a pas d'autres trucs quoi. Donc Colissimo, je sais plus c'est combien. Par contre, je trouve un peu cher dans leur système. Je trouve que c'est un peu cher dans leur système. C'est les papiers cadeaux. Ils font les papiers cadeaux. Donc c'est 2 euros papier cadeau, mais c'est par jeu de société quoi. Si vous prenez 10 jeux de société. 10 jeux de société, bah, ça vous fait 20 balles. 20 euros de papier cadeau, quoi. À la limite, vous êtes mieux de commander, d'acheter votre papier cadeau puis vous faire vos propres colis, quoi. Vos propres cadeaux, quoi. Je trouve ça un peu cher, je trouve. Après, c'est un peu normal, il paye le papier cadeau quand même, le site. Hein. Donc, c'est pas une grande entreprise. Hein. Parce que nous, moi, je suis là en renfort pour les fêtes de fin d'année. Mais eux, à l'année, ils ont 2 personnes qui travaillent à l'année. Donc ils ont pas beaucoup quoi, plus les deux patrons quoi. Ils s'occupent de tout ce qui est achat et les fournitures clients, tout ça quoi. Bonjour. Bonjour madame. C'est un peu chaud quand même, non? Il n'y a pas de fraudeur, c'est bon. Y a personne qui veut monter dans le bus? Non. Allez, on part pour notre dernier arrêt.
et on aura fini ce trajet. Bah, dernier arrêt, puis après, faut retourner en D, on va dire, on retourne au premier arrêt quoi qu'on a fait quoi. Là, franchement, sans accroc, c'est nickel. Bah, je pense que je suis plus concentré quand je parle que quand je joue tout seul quoi. Des fois, on voit pas le clignotant s'il est mis ou pas. C'est ça qui est chiant. Allez, c'est parti, on y va. Là, j'ai hâte de voir mes deux nouvelles peuples là, pour Noël que je vous ferai. Bah là, j'attends là une offre sur Micromania. Là, je pense que je vais revendre W2K20 parce que voilà quoi, je joue même pas au jeu quoi. Je pense que je vais attendre qu'il y ait une offre. Bah, tout dépend si je revends le jeu quoi. Tout dépend s'il y a une offre Micromania où il y a deux pubs achetés, une gratuite. Bah, je pense que je vais me prendre deux pubs, même trois parce que j'en prendrai trois quoi. Mais s'il n'y a pas d'offre, je garderai mon jeu quoi. Nickel, j'ai bien joué là ce coup-là. Donc je vais voir, je me prendrai essayer d'avoir trois. Soit en pub, je sais pas ce que je prendrai. Je pense que je vais prendre C16 en pub parce que j'ai C17 et C18, je vous en avais parlé en vidéo. Et je voudrais prendre C16. Et je me prendrai peut-être, je sais pas, Dragon Ball, je prendrai peut-être Boubou si j'arrive à trouver Boubou Junior. Et je me prendrai peut-être Freezer, peut-être. Avec ce quoi il vole là, il est dans sa capsule. C'est de me prendre ces deux peuples-là. Parce que comme vous savez, moi je suis pas un. J'aime pas, je vais pas forcément commencer un set de collection. Donc par exemple Dragon Ball Z, je vais pas acheter une pop et dire bah tiens je me prends toutes celles qui sont derrière la boîte. J'ai pas forcé que je fasse ça quoi. Souvent j'achète vraiment par coup de cœur quoi. Ceci vraiment vous achetez vraiment toutes les pop, vous en avez jamais fini quoi. Là je peux rester là parce que ça après on tourne à droite. Pour pas en direction du rond-point. Je suis combien au niveau 4 étoiles? Putain. 5 étoiles, ça va être dur de faire 5 étoiles. J'ai pas eu d'accident en plus. Là, je peux peut-être anticiper là. Ah bah non, je peux pas anticiper. Je vais pouvoir anticiper puis. Ouais, je peux y aller. Ouais, c'est bon. J'ai anticipé, j'ai vu par rapport au rétro qu'il y avait personne qui arrivait derrière. Voilà, nickel. Enfin, franchement. Super trajet pour l'instant. J'espère que vous allez mettre au moins 2 ou 3 pouces bleus. Moi je dis, j'en demande pas des milliers. Hein. Mais au moins 2 ou 3 pouces bleus. Je suis content à chaque fois. Franchement, je suis super content quand ça fait ça, quoi. Moi j'espère que Esprit 2 vont garder pour le mois de janvier là parce qu'il va y avoir les soldes. Peut-être qu'ils vont avoir plus de commandes peut-être pour les soldes. Ce serait bien quoi. Ce serait pas mal. Au moins finir le mois de janvier, quoi, travailler tout le mois de janvier, est-ce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui vont. S'ils font des soldes sur leur site, je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens qui vont acheter quoi. Donc là, on n'a pas encore dépassé les 40 minutes, les 30 minutes de vidéo. Le bus, il est beau. Bus en rose et en orange. Il est beau le bus comme ça avec des petits cœurs sur un bus sans lentin. C'est un petit bus Saint-Valentin que j'avais fait. Qu'on va se rabattre. Ah, du coup, alors, donc, faut vraiment mettre le clignotant au dernier moment quand vous rentrez, quoi, Pierre. Si vous voulez que ça compte, quoi.
Au revoir, monsieur. Madame, mademoiselle. Au petit cul. Hein. Un peu plat, mais oui. J'aurais peur de la casser, la fille. Alors, du coup. Ouais, il n'y a pas de champ de fraudeur. Hein. Laisse-moi passer, toi. Sois pas brute quand tu conduis. Ouais, du coup, il n'y a plus qu'à aller à l'arrêt final. De retourner. Bon, c'est pas la même route, à mon avis, non? Ah oui, c'est peut-être la même route. Ouh, j'ai pris un premier montant un peu large, mais bon, ça passera quand même. Voilà, nickel. Non, apparemment, c'est la même route, apparemment. Comme ça, la prochaine ligne, bah, je vous la ferai prochainement, en vidéo. Je pense à un truc. Alors je pense que mon concours je le ferai peut-être sûrement au printemps parce que là faut que j'investisse dans des jeux. Attendez, hop. Je vais m'arrêter là. Il faut que je mette des sous de côté avec Utip par rapport à ce que vous voyez comme pub pour m'acheter Final Fantasy VII Remake. Donc du coup je pense que je vais attendre d'avoir payé tous mes jeux. Et quand j'aurai plus de jeux, bah je pense que je vais vous faire un concours et après moi l'année prochaine j'essaierai de gagner d'avoir tout ce que je vais gagner sur YouTube, les mettre de côté pour la PlayStation la PS5 parce que j'avais dit ouais si je mettais 50 euros, si je gagnais à peu près 50 € minimum par mois, bah 50 € minimum par mois bah ça me fera en 10 mois 500 balles, ça me paye ma console quoi. Bon, ça serait trop bien quoi. Après faut se prendre un jeu mais si je revends la PS4 Pro j'aurai un minimum un minimum, j'aurai quand même un apport, quoi, on va dire. Allez! Ouais, il me laisse passer de toute façon, merci. Ah, par contre, il y a un nid de poule ici. Faire attention. Bon, on est passé bien. Hop, on y va. On y va, on y va. Là pareil, je vais me remettre ici, parce que j'aime pas trop les trucs comme ça. C'est pas que je veux pas prendre le risque, mais voilà, quoi, si je peux pas perdre mes 4 étoiles, ce serait bien, quoi. Nickel. Pourquoi les oiseaux, les autoriens bien? Ouh, je me suis fait une frayeur, là. Je crois que ça allait pas passer. Wouah! Que j'ai fait avoir un accident. Nid de poule. Ouh là là putain. Réflexe. Donc là c'est loin ou pas non? Ah quand même. Ah c'est loin. Ah on fait le tour. Ah ça va on fait le tour. Ça va on fait le grand tour. C'est bien comme ça. Ça vous fait visiter un nouvel trajet. Enfin, un nouvel trajet mais ça fait prendre une autre route quoi. C'est ça qui est bien quoi. Merde, il y avait un nid de poule. Le bruit que ça fait. Ça doit être le siège qui fait ça. Je sais pas si c'est le siège ou les freins qui font ça. Donc là, faut que je tourne là. C'est pas la même route, la vidéo précédente en a été tout droit. Donc là c'est bon, on est tranquille après là. Pas tranquille mais c'est une route pépère on va dire. Ici c'est bien. Oh bien. Voilà. J'ai dû passer par dessus ou quoi? J'ai survolé le nid de poule. Voilà, nickel. Ça se passe super bien. Ah, j'ai des frissons partout. Je commence à être malade. Ça va être chiant ce week-end. Faut que je me shoote aux médicaments pour être en forme lundi, quoi. Ça va être chaud. Ah, bah voilà. Clip vidéo sauvegardé. Donc là, la vidéo fait plus de 30 minutes.
C'est pour ça, parce qu'à un moment, je l'avais pas mis. J'avais pas la limite de temps, et en fait, quand tu mets pas la limite de temps, bah mes vidéos, ils faisaient 1 heure des fois. Et le problème, c'est que je pouvais pas les copier, parce qu'on veut pas, il veut pas copier avec une clé USB. Parce que les vidéos sont trop longues. Du coup, 30 minutes, c'est bien en format de vidéo. Non, mais faut que j'essaye vraiment, quand j'aurai les moyens, d'investir dans un boîtier d'acquisition 4K, quoi. Si vraiment je continue ma chaîne, wow, on va investir dans un boîtier d'acquisition 4K, quoi. Donc je suis au niveau combien, niveau pub? Ah, je suis à 4,5. Nickel. Et puis, il n'y a pas de fraudeur. Il n'y a pas de fraudeur, nickel. En plus, on a aucun truc rouge, regardez. On est dans le bleu positif, quoi. Donc ce trajet-là, il va être fait vraiment parfaitement, quoi. Alors pourquoi j'ai pas stack étoile? Peut-être par rapport à la vitesse, c'était peut-être trop long. Plus soir, je mange chez mes parents, moi. Comme ma copine, elle est pas là, à part avec ses collègues de boulot. Comme ça va, son boulot, ma copine, elle, il est bien. Pas, elle est bien. Oui, il est bien. Mais elle, leur entreprise, ils travaillent sur 4 jours. Donc elle fait que lundi, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi, ils travaillent jamais. C'est ça qui est bien. Mais par contre, elle est payée 35 heures. 39 heures parce qu'elle commence le matin à 7 heures, il me semble. 7h30. Donc elle fait 7h30 midi. Après, elle reprend à midi et demi, je crois. Ils n'ont qu'une demi-heure pour manger. Et après, elle finit à 5h moins de quart. Donc elle fait quand même des grosses journées. Hein. Mais il travaille sur 4 jours. Mais possibilité de travailler vendredi. Si vraiment, c'est ça qui est bien avec son boulot, c'est que. Attendez, faut que je tourne là ou pas? Il me semble que oui. Oui, c'est ça. Et bah, si elle m'a un jour bah, la petite est malade, tout, elle peut la garder, puis bah dire bah tiens, je rattrape mes heures quoi. Merde, qu'est-ce que je fais moi? Merde, le con. Bah, c'est bon, j'arrêterai même. Wouah! J'ai rattrapé ma connerie. Avance! J'étais un peu déconcentré là, je sais pas ce qui s'est passé. Faut se rabattre du coup. Et faut tourner à la prochaine. Pas celle-là, mais à l'autre. Pour rejoindre là-bas, voilà, c'est ça, nous on va arriver là-bas. Vous voyez où c'est écrit là-bas le panneau là? Ici là? Bah, on va aller ici, la gare routière elle est là. Derrière ce truc-là. Donc faut tourner au prochain quoi. Je vais enlever mon clignotant parce qu'après je vais avoir une pénalité moi. Je le sens. Serait con de se prendre un nid de poule à la fin quoi. Voilà. Voilà ça je vous disais, hop, on tourne à droite. Et on arrive au terminus. À la station numéro 2, je crois, c'est ça? Station numéro 2, si je me trompe pas. Arrêt numéro 2. Ouais, plateforme, c'est pareil, plateforme, arrêt. C'est pareil, quoi. La une, pour l'instant, j'ai pas eu d'arrêt ou qui s'est arrêté à la une. Et voilà, on est arrivé. Voilà, trajet terminé. Merci d'avoir fait un petit trajet avec moi. Donc moi, je fais pas grève, hein. Je suis pas gréviste. Je rigole. Donc c'est bon, on est arrivé. Nettoyé. Et on a fini le trajet. Donc en espérant, ça compte mes quêtes. Oh, c'est dégueulasse. Oh putain. Ah non, je pensais qu'il y en avait d'autres. Donc c'est bon, on est arrivé. J'espère que ça va compter mes quêtes. J'espère bien. Hop. Allez, c'est parti. Donc là, on a dû faire un bon truc. Ouh, 5! Putain, 5 étoiles! Putain, trop bien! Normalement, c'est bon, normalement, ça compte, hein. Nickel, voilà. Ah, nickel, ça m'a compté mes quêtes. Nickel. Soit on verra, c'est quoi les prochaines étapes. Some sites already reported an increase in visitors. I'm confident that we can repeat the success. Seaside Valley offers a lot of nice locations for a walk, but especially the River Promenade. Ça va, y a pas de temps, ça va, c'est bien ça. Are the favorite walking paths of local tourists alike. Please create two routes alongside these paths so people can hop on and off.
Bon, alors, on s'en fout ce qu'il dit. Create a route which connects these paths to the Lido. After a long walk, the people will surely enjoy a few relaxing hours at the water. Ah, nickel. Ah, ça va, elle va pas être trop dure ces missions-là. Donc, on a ces missions-là. Donc, déplacement, nanana, Jean M. Donc, utiliser les conducteurs pour générer un revenu sur un itinéraire qui contient les arrêts suivants. Donc, Postcodgel en Grange, Westwade, Waterboot, Road, Steninger, Grange, Chapel de Stenning, Stenning West et Stenning Est. Il faut exactement 6 arrêts. Donc, conduire en aller-retour, donc ça c'est très simple. Ensuite, la prochaine, c'est utiliser les conducteurs générer des revenus sur un itinéraire contient des arrêts suivants. Fisher Groen, Rive Promenade, Pont Rodovic, Victory Road, Roman Road, examiner exactement 5 arrêts, conduire en aller-retour. Donc là, c'est un peu plus compliqué, là, à mon avis. Durée du parcours en inférieure à 20 minutes. Donc là, c'est pareil, hein. 5 arrêts, tout ça, etc. Ouais, on verra ça plus tard. Ensuite, avoir au moins 5 conducteurs autobus, ça c'est facile. C'est comme cette mission-là que j'ai fait. Gare centrale, bah, le 28 et 29. Faut juste 5 personnages dessus. Atteindre niveau 6 à tous les arrêts. Bon, ça c'est facile. Atteindre niveau 7 aux stations. Ah bah, c'est facile. C'est très simple, franchement, c'est très simple. Donc voilà, nickel. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis au prochain pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos. Suivez-moi, portez bien. Peace.